Shalom, shalom bien-aimé de Dieu, shalom à toi porteur de grâce. Quelle joie de nous retrouver en ce matin, après un bon temps de pause, on est réunis dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une joie vraiment que nous puissions nous retrouver encore en ce matin de grâce pour encore communier, pour encore unir nos âmes, pour témoigner de notre fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce matin, il convient que nous puissions rendre grâce à ce Dieu-là, à ce Dieu vrai, à ce grand Dieu qui nous donne encore un nouveau souffle en ce matin. Ce Dieu qui vient renouveler le don gratuit de la vie en tout un chacun de nous. Ce Dieu qui nous a permis de passer une très belle nuit. Ce Dieu qui nous a donné d'avoir des rêves, des songes par lesquels il a parlé à tout un chacun. Et en ce matin et en ce jour, nous célébrons la nativité de la bienheureuse Sainte Vierge Marie. Et avec elle, nous voulons tout simplement redire notre action de grâce à notre Seigneur. Celle qui a été choisie depuis le sein de sa mère. Celle qui a été choisie pour porter le sauveur de nos vies, le sauveur de nos âmes. Celle qui a été choisie pour porter le Fils bien-aimé du Père en son sein. Et avec elle, nous voulons tout simplement, en ce matin et en ce jour, dire merci au Dieu créateur. Dis merci à ce Dieu qui a pourvu. Dis merci à ce Dieu-là qui nous a envoyé son Fils bien-aimé par la bienheureuse Vierge Marie. Voilà pourquoi, de là où tu es, je t'invite tout simplement à reprendre cette prière avec moi. Ô Marie, Vierge heureuse et bénie, permettez-moi de m'approcher de votre berceau et de joindre mes louanges à celles que vous rendent les anges qui vous entourent. Heureux d'être les témoins des merveilles de votre naissance. Agenouillée devant vous, je vous fais l'offrande de mon cœur. Reine du ciel et de la terre, recevez-moi et gardez-moi. Je vous salue, Marie, ô fruit de pureté. La terre maudite s'étonne d'avoir pu vous produire. Ô Marie, pleine de grâce, vous relevez l'espoir des enfants d'Ève chassés du paradis et vous ranimez leur confiance. Au jour de votre entrée dans le monde, nous avons relevé nos fronts abattus. Votre naissance annonce celle du Rédempteur, comme l'aurore annonce la venue du jour. Amen.
Oui, Marie, en ce matin, nous te saluons. En ce matin, nous voulons tout simplement dire merci au Dieu Père, Dieu Créateur, de t'avoir choisi pour nous donner son Fils bien-aimé. En ce matin, nous magnifions les hauts faits du Dieu Créateur dans ta vie. En ce matin, nous célébrons les bontés du Dieu Père dans ta vie. Toi, la Ève nouvelle de nos vies. Toi, la race choisie. Toi, l'arche de la nouvelle alliance. Nous te magnifions. Nous te saluons en ce matin et nous unissons nos voix à celles des anges, à celles des saints, pour tout simplement dire merci au Dieu Père, au Dieu Créateur. Et à toi qui m'écoutes, à toi bien-aimé qui m'écoutes, du fond de ton être, que tu puisses également laisser jaillir des actions de grâce devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu, que tu puisses tout simplement louer ses hauts faits dans la vie de la Sainte Vierge Marie. Louer ses bienfaits dans la vie de la Sainte Vierge Marie. Celle qui a accepté de porter le Sauveur de nos âmes. Celle qui n'a pas hésité à dire oui à la volonté de notre Seigneur. Celle qui ne cesse d'intercéder pour tout un chacun de nous. Qui ne cesse de présenter nos récipients et nos vases devant le trône de Dieu. Marie, que vos saintes mains répandent dans nos cœurs avec profusion l'humilité, l'innocence, la simplicité, la douceur et la charité. Que ces vertus de votre cœur saisissent le mien pour que j'appartienne avec vous au Christ, mon Seigneur, et qu'en lui je sache offrir le bien que je fais et le mal que je souffre pour la plus grande gloire de Dieu qui est le salut des pécheurs. Amen. Cette atmosphère de la nativité de la Sainte Vierge Marie, que je te souhaite de passer une excellente journée, une bonne journée dominicale avec la famille, avec les amis et toutes ces personnes qui te sont proches. Et je te souhaite également de rentrer dans une nouvelle semaine sous le contrôle du Saint-Esprit, couvert du manteau virginal de la bienheureuse Vierge Marie. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.